Coucou, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser le pied ourleur pour machine à coudre. Donc il ressemble à ça, avec une espèce de spirale sur le devant. C'est vraiment un pied super pratique et qui fait gagner énormément de temps. Donc il existe en plusieurs largeurs, le mien fait un ourlet de 3 mm. Donc je vais te mettre les liens dans la description de la vidéo si tu veux les voir de plus près. Donc pour mon exemple, j'ai pris un rectangle de tissu avec un bord bien droit. Donc ça marche aussi avec une courbe légère, mais ça peut faire quand même des petits plis. Je trouve que le résultat est moins propre qu'avec des bords vraiment droits. Donc moi je l'utilise surtout pour faire les ourlets des jupes à volant. Mon tissu, je vais le mettre à l'envers sous le pied. Je règle ma machine avec un point droit de longueur moyenne, donc 2, 2,5. Et le pied au milieu. J'abaisse le pied et je vais faire quelques tours de molette à la main pour faire 2 ou 3 points et fixer mon fil sur le tissu, vraiment dans le coin du tissu. Je soulève le pied, j'attrape le fil derrière et je vais m'en servir pour guider le tissu dans la spirale. Donc il faut sortir le tissu sans trop tirer de fil et le refaire passer sous le pied, mais cette fois-ci en passant par la spirale. Donc je tire sur le fil avec ma main gauche pour que le bout de mon tissu arrive au niveau de l'aiguille. Et avec ma main droite, je guide le tissu à l'intérieur de la spirale. Donc lorsque c'est bon, lorsque j'ai bien le bout de mon tissu qui est passé dans la spirale et qui se retrouve sous l'aiguille, à ce moment-là, je rabaisse le pied et je vais commencer à coudre tout doucement. Avec ma main droite, je vais venir enrouler le tissu pour qu'il aille bien dans la spirale tout le long de la couture. Donc au début, je tiens le fil derrière hein, pour pas qu'il y ait de bourrage. Mais une fois que la couture est partie, c'est bon, on peut lâcher. Le plus important ici, c'est qu'il ne faut pas que le tissu s'ouvre comme ça, sinon il n'y aura pas assez de tissu pour faire les plis et l'ourlet sera raté. Donc il faut toujours qu'on ait suffisamment de tissu enroulé ici pour que l'ourlet se fasse correctement. Donc je guide tout le long de la couture. Et voilà, l'ourlet est fait en un seul passage, sans avoir à mesurer, sans avoir à repasser. C'est vraiment propre et très rapide. Donc franchement, moi j'adore ce pied-là. Je l'utilise vraiment très souvent pour les jupes à volant. Donc si tu as des questions par rapport à ce pied, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture. À bientôt !